Vous savez qu'il y a des gens encore aujourd'hui hein, qui défendent cette théorie que la Terre serait plate. Oula. On les appelle les platistes. Ils font des vidéos hein, qu'ils mettent sur YouTube, par exemple. Ils ont des théories, ils font des calculs. Ils essayent de démontrer par A plus B que la Terre est plate. Ah, puis il faut pas essayer de les dissuader. Hein. Attention, c'est un truc à se faire déglinguer. Hein. Oula, ça les énerve. Alors, ce qui voudrait dire que si la Terre est plate, qu'il y a des millions, voire des milliards de gens sur Terre qui nous mentent depuis Galilée et tout ça. Les astronautes, les scientifiques, la NASA, les chercheurs. Les astronomes, la Terre serait plate. Alors, vous allez me dire, quel est le but de nous expliquer que la Terre est plate? Le but est de nous dire qu'on nous ment depuis toujours. Voilà, c'est leur but. Le complot, on vous ment depuis le début des temps. La Terre est plate. Les images qu'on nous montre de là-haut, vous savez, de la station par exemple, ISS, bon bah c'est des fausses images. À chaque fois, ils les trafiquent pour nous faire croire que la Terre est plate. C'est du boulot, hein. Les mecs, ça bosse, hein. En fait, pour les platistes, la Terre, elle est comme ça. C'est sympa. Bah, c'est pratique, parce qu'après, tu peux la ranger, tu vois. Voilà. Ça prend pas de place. Bon, ce qu'il faut quand même aussi savoir, c'est que ces platistes qui montent des chaînes sur YouTube pour nous expliquer qu'on se trompe et que la Terre est plate, c'est des gens qui ont des vidéos qui sont monétisées sur YouTube. Donc, c'est surtout pour gagner du pognon qu'ils montent ces chaînes. Voilà, pour faire de l'audience. On est quand même pas dupes. En tout cas, moi, ça m'a fait faire une sacrée découverte. Hein. Ah bah si, que certains avaient du yaourt nature à la place de la matière grise dans le crâne. Ah, je pourrais faire des vidéos là-dessus et monter une chaîne sur YouTube. Je l'appellerais les yaourtistes.